maison des rois fait figure d'exception chez les déchus. Elle est secrète et dangereuse. Elle complote patiemment dans le cosmodrome. Si Skolas rallie la maison des rois sous sa bannière, nous aurons de gros ennuis. Je vous aiderai. Ah, je capte de fortes interférences près de vous. Accrochez-vous, gardien. Eh bien, salut tout le monde! C'est Tabogod de Team Zombie Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Destiny, comme prévu! Comme prévu! Essayez de trouver la source d'interférence, détruisez-la! D'accord. Comme prévu, nous commençons directement avec la mission. Rouille le signal à l'aide de hauts serviteurs, comme lors de la guerre du récif. C'est peut-être un problème pour Petra. Mais pas pour moi. Je vous guiderai. Heureusement, ils sont toujours là, eux. C'est pas possible, on vous a pas tapé une fois, vous, déjà? On vous a pas déjà tapé, vous, une fois, là, déjà? Qu'est-ce que vous faites encore là? D'armes, faut aller là apparemment. Apparemment, faut aller ici. Bon, bah, on va se retaper des déchus là. Pas des déchus, des. Le serviteur est la source des interférences. Détruisez-le. Allez, on va repérer. Mais depuis quand ils font affaire à eux? Depuis quand ils sont ensemble? Ah, ellipse les amis. Ok, au revoir tout le monde. Bon, comme d'hab, hein, on peut pas passer un épisode de Destiny sans se faire chier. Enfin, sans être dérangé par... toi, ta gueule, voilà. Dérangé par un connard qui fait de la pub. Est toujours brouillé. Il doit y avoir un autre serviteur. Continuez et trouvez la source. Là. Là. On a encore? Apparemment. Ta gueule. Voilà. Puff, ok. C'est bon. Alors, on va taper l'autre là. Ah, c'est toujours pas fini cette histoire. Je pensais qu'on les avait battus. J'étais un scribe de la maison du châtiment auprès des loups. Skolas était brutal, même pour un cal déchu. Je n'ai pas pu supporter sa rage. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Les acolytes ont les one shot. Toi, je te prends par derrière. Même vous, hein, y a pas que toi, hein, t'inquiète. Hein. T'es pas le seul à être pris par derrière, t'inquiète pas. Ah, mais j'ai vu son petit regard inquiété là, genre en mode quand je lui ai dit que je le prenais par derrière là, il m'a regardé en mode non, va sans, s'il te plaît, t'es pas seul, je veux pas être tout seul. Voilà, t'as pas le temps de mettre ton bouclier, et toi t'es mort. Voilà. Bah, au final, on va peut-être passer 31 rien qu'avec la mission, hein.
ça continue comme ça. Ce qui est chiant quand il y a deux batailles comme ça, c'est que... J'apprécie de travailler avec vous et Petra. Tous les déchus ne sont pas irrécupérables, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà, ce que je disais, c'est que ce qui est chiant avec... Le voyez-vous? Oui, il est là. Ce qui est chiant avec son... avec quand on arrive avec des batailles avec les deux camps, là, c'est que en fait, bah, on est pris entre deux feux. What? T'es pas mort? Merci. Et que du coup, c'est assez chiant parce que, bah, on peut rien faire. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais le signal est redevenu clair. Varix, êtes-vous là? Oui. T'inquiète, t'es avec moi depuis tout à l'heure. Je suis là. Les rois verront la meute de loups, eux aussi. Ça ne leur plaira pas. Les loups se dirigent vers un vieux centre de commandement de l'autre côté du champ de fusée. Les rois doivent se cacher là-bas. À la bataille de la trouée du crépuscule, les maisons des diables, des rois et de l'hiver ont combattu ensemble la cité. Sans l'intervention de ma reine, les loups auraient permis aux déchus de triompher. D'accord. C'est bien de me raconter vos petites histoires là, mais on s'en fout là, moi je suis en train de bosser les gars. Les gars ils racontent leur vie là, alors moi je suis concentré en train de bosser, je risque ma vie là. Voilà. Fermez vos gueules. Étendard de maison. Ah ça c'est cool ça. Petit étendard de maison, ça fera porte du fric. Moi, je suis en train de bosser, les mecs, qui me racontent sa vie. Scolas de contacter les rois. Ils n'en sauront rien. Ils ne se poseront aucune question. Ils voudront juste vous tuer. Faites-en de même. Je m'étonne. Je détecte une forte activité dans le centre de commandement. Vous avez neutralisé le brouillage des serviteurs au bon moment. Si les rois ont bien détecté les loups avant l'attaque, alors Scolas a trouvé quelqu'un à sa hauteur. Ouais, d'accord. Hop. Allez, on continue. Ok. Alors, on avait pas dit 18 là? Non, on avait dit 20. Ouais, 20. Ah non, 20, on avait dit. D'accord, 20. On avait dit 20, ok. On continue un petit bout de chemin, hein, écoutez. Hop. Hop. Là, il y en a un grain bleu. Important. Il y en a un derrière, je sais, mais bon, écoutez. Je vais pas vous le montrer. Ok, capitaine, mort. Le capitaine est mort. Skin, parents des rois, parents des loups. Bah écoutez, salut bande d'enfoirés! Allez! Ok, ils ont appelé leur copain à l'aide. Là. Ta gueule. Ta gueule, voilà. Mais putain, mais dégagez, bande d'enfoirés.
cache pas bien, on va revenir vers l'entrée. Là, il va choper son enfoiré. Ok, par contre la musique du jeu est 20 fois trop forte là pour moi, s'il vous plaît, merci. Je dois me concentrer quand même. Ok, on va recharger. Alors on envoie la sauce. On envoie la saucée. Voilà. Oh, fin de la mission. Ça y est, je les ai tués niveau 31. Quant au roi, il demeure un risque pour la cité. Mais ils n'agissent pas pour Skolas, ce qui est déjà une victoire. Revenez vite, gardien. Bah, bah cool, bah voilà, on a fini la mission. Parfait. Bah voilà, ouais, parfait. Parfait, les gens. On est passé niveau 31 en plus, hein. Et... Non, si. Niveau 31, pas, je crois. Je crois, ouais, niveau 31. Bon, ça, c'est cool, on a fait pas mal d'améliorations. Niveau 31, on se rapproche du 40, hein, les gens. On a un petit colt. Niveau 31, pas mal, pas mal. Je suis plutôt content de moi. Je suis plutôt content de moi. Hop, amélioration. 157, 157. Mais le revolver, j'aime pas les revolvers. Donc ça, c'est sûr. C'est mort. On va l'améliorer. Ça. Non, j'aime pas. Non, je n'aime pas. 150. Non, on va démanteler. 163. Non, on démantle ça. 160, 155. Non, on démonte ça. Et là, 157, 157. Hop. Voilà, ça nous fait des... Ça nous fait des... Voilà, des points gratos. Alors, donc on doit aller parler à... Ah bon. Voilà, voilà. On doit retourner à l'avant-poste, d'accord. Oh là, on fait des allers-retours avec le récif, laisse tomber, je te dis pas. Hop. Ouais, c'est reparti. Allez, go. S'il te plaît, dépêche-toi. On a pas mal, pas mal du tout. Voilà, très bien. On a fait. C'est parfait. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'utilise pas notre vaisseau pour tout simplement les rectes, parce que genre, je sais pas, tu balances une bombe dans tout ça, et c'est fini, quoi. Non, je pensais pas. Je sais pas, enfin, je vois plein de mitraillettes sur notre vaisseau, et on les utilise pas. Je sais pas, le vaisseau est juste là pour faire beau, je crois. Voilà, on atteint le récif. Parfait. On va pouvoir... Allez voir le cryptarque et allez la voir. Hop. Bien. Nous cherchons un. Skolas a essayé plusieurs fois de s'approprier le contrôle de la maison. La main droite du jugement. Chaque jour qui passe l'affaiblit davantage. Nous avons porté un. Je vais aller parler à l'autre là. Du coup. Je vais voir le cryptarque aussi. Voyons ce que vous avez. Étendard de mission, ça c'est sûr. Allez, lance tout. Voilà, plus 160 points d'XP envers les cryptarques. C'est cool ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? 157, 166. Boom, bitches. Ça, je vais le démanteler. 150, c'est bon. Là, question de 156, 165. Ça a grave amélioré mon armure. Ça, pareil. Hop, je remplace. Il est plus fort. 165, 155. Et là, je jette. Ok, je pense qu'on est bon là. 158 au niveau de lumière, quand même. On est pas mal. On augmente petit à petit notre niveau de lumière, et c'est tant mieux. Vas-y. J'ai pris ceci dans le coffre. Merci. Merci. C'est joli. C'est à vous. Merci. Vous avez empêché Skolas d'asservir les maisons. Oh, il a des bras mécaniques, j'avais pas vu.
Les loups sont retournés sur Vénus. Il a deux bras mécaniques, j'ai pas vu. Ok, bah si c'est retourné sur Vénus, on va sur Vénus. C'est parti. On va aller taper une bonne fois pour toutes là, parce qu'il commence à me saouler. Moi, je le dis. J'annonce, hein. Il commence à me saouler, donc on va les taper. Et puis voilà. Voilà, Vénus. Là. Et voilà. On commence à y avoir plus beaucoup de quêtes, hein, comme on peut le voir, hein, puisque j'ai un peu vidé tous les endroits. Pas tous, parce qu'il reste encore beaucoup de choses, mais... La plupart des points, des différents points de mission commencent à être verts. La maison des loups est en marche. Ils encerclent les bastions Vex un peu partout dans la dépression d'Ishtar. Tous les soldats à ses ordres sont mobilisés. Soit Skolas est devenu complètement fou, soit c'est un stratège de génie. J'aime être sur le terrain, mais la chasse doit prendre fin. Ouais. Et vite. On est d'accord. Allez. Cette fois, ça se passe sur Vénus. Et cette fois, on va pas leur faire de cadeaux. Ils en ont pas marre un peu que je leur pète tout leur truc à chaque fois. Ah, des Vex ? What ? Skolas a dit, je suis le Kal de tous les Kals. Les maisons disparaissent. Ah d'accord, c'est des... Tous j'ai oublié que c'était automatique. Ils vont se calmer, là. Putain. À vrai dire, je préférais le semi-auto. Je préfère le semi-auto quand même. Ah, hop, merci beaucoup. On y va, quelques Vex pour s'échauffer. C'est parfait. Là. Ouais, on est saoulé. On est tous saoulés. Allez, c'est parti. Je sais pas où je suis apparu là, mais. Je détecte un signal sur une fréquence déchue utilisant un encodage Vex. Quoi qu'il cherche à faire, je n'ai jamais vu ça auparavant. Il est fou. D'accord. Ok. Écoute, on va le stopper si on peut. Ah, on est déjà venu ici. Non, ce n'est pas bon signe. Les loups prennent d'assaut le caveau de verre. Mais que cherche Skolas ? Ok. Ils ont percé l'entrée du caveau. Pénétrez-y, gardien. Nous devons les arrêter. Allez, boum. Je dois aller où ? Par là ? Je dois monter. Je dois monter, hein. Visiblement. Visiblement, je dois monter. Par contre, je sens que les munitions, elles vont partir super vite. Hop. On monte, on s'en fout des ennemis. Moi, je m'en fous, clairement. Oh là là, putain. Qu'est-ce qui mitraille là ? Vandal, mort. Vandal, mort. Pas de rien. Boum, BTS. Toi, je vais te faire la pomme. Voilà, respecte-moi. Allez, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Waouh, oui, d'accord. Okay. Allez, salut toi.
Voilà. On y va, on continue. Ah d'accord, bah, c'était pas ça qu'il fallait faire. D'accord, bon, bah, j'ai cru, désolé. Encore une morconne. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Mais j'ai cru qu'il fallait tomber, mais d'accord, en fait, faut juste... En même temps, on n'y voit rien, là, avec ces conneries, là. Tu peux faire éclairer un peu? Voilà, fallait faire ça. Ça va, je peux tomber de haut, non. Ah, là, je vais où? Là. Putain, ils ont été creusés, moi, quand même. Non, je peux aller là. Pareil. Voilà. Je vois qu'il est badass, hein, ce Skolas. Il faut l'avouer, quand même. Il faut avouer ce qu'il est. Le mec, il sait ce qu'il veut, hein. Putain. C'est un petit badass. Hein. Pénétrer dans le caveau. C'est ce que je fais, là. Allez. D'accord. Apparition limitée. Skolas est donc réellement devenu fou. Les rapports des corbeaux du prince Uldren mentionnent la technologie présente dans le caveau. Des choses terrifiantes. Ça passe? Ok. Ok. Ah d'accord, c'est vraiment un truc là. Eh merde. Je suis mort. Pas. Si. Je suis mort. Voilà, deuxième morconne. Et bien sûr, comme j'étais dans un. Il y a eu un retour au dernier point de passage, bien sûr. D'accord, merci. Et boum! Qui me tape? To save the day. Ça s'annonce mal. Les loups veulent exploiter les oracles. Ces cubes scintillants. Détruisez-les, gardiens. Détruisez-les vite. Un oracle est apparu. Qu'est-ce que vous croyez faire là comme ça? Sur 6, ok. Ça se passe plutôt bien. J'ai envie de dire. What? Pourquoi je suis mort? En quoi là, j'ai marché sur un caca et j'ai glissé? Ah, faut que je recommence tout. Here I come to save the day! J'adore ça. Ok. Ok, coco. Ça s'annonce mal. Les loups veulent exploiter les oracles. Ces cubes
scintillant. Détruisez-les, gardiens. Détruisez-les vite. Un oracle est apparu. Non. Un oracle. Ah d'accord, en fait, si l'oracle disparaît, je crève. D'accord, ben ça explique tout. Ok. Ben voilà, là, moi, je sais pourquoi je suis mort. Bon, on va se la refaire. Here I come to save the day. Ok, d'accord. J'ai pris un direct. Putain, je suis vraiment pas visé avec cette arme. Oh. Ça s'annonce mal. Ta gueule. Les loups veulent exploiter les oracles. Ces cubes scintillants. Détruisez-les, gardiens. Ok. Détruisez-les vite. C'est ça, en fait. Un oracle est apparu. Un oracle, détruisez-le. Ok, 5 sur 6. Encore un oracle. Ok. Beau travail, Varix. Et surtout vous, gardien. Éliminez les loups restants et nous reprendrons la discussion. Ok. Où je suis là. On se calmait là, putain. Laissez-moi un peu respirer, genre, s'il vous plaît. Ok, alors à tout le monde, toujours dans le. Bah, dans l'action. Voilà. Ouh, c'était chaud. Skolas voulait donc se servir des oracles pour puiser dans le réseau des Vex. La situation est grave. Si les déchus ont accès à la technologie Vex, le système entier sera en danger. Ouais, là, on va avoir un peu de mal. Okay. Les choses sont simples. Nous arrêtons Skolas, le cal de tous les cales, ou ce sont les loups qui nous arrêteront. D'accord. Bon, fin de mission, voilà, j'ai fait mon rôle.
C'était dur, c'était un peu chaud, hein. Désolé d'être mort 40 000 fois, je suis d'accord. Mais j'avais pas compris en fait au début. Deux morts bêtes et puis deux morts où je comprenais pas en fait pourquoi je mourais. Mais bon, écoutez, ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà, hein. Et puis, bah voilà, sinon ça s'est bien passé. J'ai amélioré encore mon niveau. Oh là là. Ils m'ont mis mal encore une fois. Hein. Hop. Amélioration, combustion spontanée. Eh. Les ennemis tués par l'une de vos capacités explosent en mourant. Et on va bientôt arriver à l'impact de ces décharges de lumière abyssale, ces divisions petits éclats qui poursuivent les. Ah, décharge d'action, hein! Eh. S'associe à elle, hein. Grenade de dispersion. Eh, d'accord. Ouais. On va bientôt arriver à là, hein. Eh. Alors. 155, 150, tout ça. Tout ça. Je vais démonter et ça j'améliore. Ok. Ça, 155, on peut-être. 165, 150, on peut-être. Là, 157. Là, je suis à la fusion. 157. Fusion, fusion, 157. Non. Et fusil de précision en désarme. J'ai quoi en bas de nouveau? Est-ce que j'ai des nouveaux? Oui, j'ai des nouveaux. Ah! Oh! Il est pas mal, lui. Lui, il est moche. Lui, c'est le basique nul, quoi. Lui, il est pas mal. Main droite du jugement, ça, c'est pas mal du tout. Et le phénix de Liverpool, une autre fois. Ok. Choisir la mission. On va aller parler à l'autre là, et puis on termine sur ça. Voilà, je pense qu'elle va être contente. On est un peu au tiers du niveau 31. Ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Bon, elle m'a donné chaud hein, quand même cette mission-là. Fallait rester concentré, fallait pas faire d'erreur. Et bon, c'est vrai, c'était un peu chiant de foncer dans le tas à chaque fois, de se faire déglinguer, mais bon, c'est destiné. Hein, ça reste quand même le gros. Comment on dit ça encore? Bah, fonce dans le tas et puis genre, vois ce qui se passe quoi. Non, c'est un peu de la stratégie aussi, Destiny, quand même. Faut pas cracher sur un bon jeu. Alors, on va parler à elle. Voilà. Avec ce loup en fuite, gardien, je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. La chasse touche à son but, mais la reine craint que Skolas ne tente le tout pour le tout. Les amis, écoutez, bon, on va se laisser là. Gros bisous à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et juste pour ce magnifique décor. Et puis dans le prochain épisode, eh ben, on continuera avec les loups, puisque je suis désolé, j'essaie toujours de varier, mais il n'y a pas que ça. Donc, hop, ça, je vais le. Déjà, ça c'est bon. D'accord, c'est bon. Et oui, il n'y a pas que ça dans. Enfin, il n'y a que ça comme mission en ce moment, donc je suis vraiment désolé. Et puis voilà, il n'y a que ça, la rançon de la reine. Si est-ce que va s'intéresser avec, soit pour essayer de le capturer, mais bon, ça m'étonnerait que. Voilà, mais. Voilà, ah, bah, j'y peux rien, c'est comme ça, désolé. Mais bon. On va se rentrer en orbite, et puis je vous lâche là-dessus. Voilà. Gros bisous à tous, à la prochaine, hein, pour j'espère la fin de la maison des loups, puisque théoriquement c'est la fin. Allez, gros bisous à tous, c'était Temogod, et puis on se retrouve dans la prochaine session. Voilà. Salut, salut!